va d'abord faire une petite tour de rectangle, de table rectangulaire, pour se présenter. Ok. Merci. Très bien. Jacques, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, donc Jacques Arnoux, j'ai la chance d'être depuis bientôt 20 ans chargé des questions éthiques au Centre national d'études spatiales, donc l'agence spatiale française, qui en particulier travaille avec un certain nombre d'entre nous ici et durant ces 3 jours en termes de prospective. Et donc je suis associé à ce travail de prospective avec la casquette qui est la mienne, de m'interroger sur donc la dimension éthique. Alors, chez nous, l'éthique, ce n'est pas de juger ce qui est bien et ce qui est mal et de donner un tampon d'autorisation ou au contraire une grosse croix rouge d'interdiction par rapport à certains projets. C'est d'abord et essentiellement s'interroger sur la raison d'être de ce que nous faisons aujourd'hui en termes d'activité spatiale. Donc, des choses qui sont un petit peu loin de ce qu'on vient de voir dans le film tout de même. Il faut reconnaître que c'est de la prospective ou l'anticipation ou la dystopie, tout ce que vous voulez, qui est assez éloigné de la réalité, comme le disait Olivier Parent. Il y a un caractère caricatural dans ce que vous avez vu, mais c'est vrai que dans nos projets, il peut y avoir des choses qui, quelque part, ressembleraient à ce qui est là et donc qui doit nous interroger sur le pourquoi de ce que nous, de nos projets, de notre prospective. Sylvie. Bon, alors, Sylvie Dallet, je suis professeure des universités en art, avec une formation en histoire et philosophie. Je dirige un programme de recherche qui s'appelle Éthique de la création, et j'ai beaucoup travaillé sur le fait que le goût aussi, peut-être le choix des images et des sons, peut être une éthique, hein, repose sur une vision du monde. Alors, je ne m'intéresse pas du tout à l'espace. Je suis au conseil scientifique de prospective de la Fédération des parcs naturels régionaux, donc je suis vraiment très, très terrestre. Il marche celui-ci ? Oui, on dirait. Bonjour, moi je m'appelle Luc Delis, je suis écrivain et professeur de scénario. Et comme professeur de scénario, j'ai toujours eu une passion particulière pour les scénarios du réel, c'est-à-dire est-ce que les techniques, car c'est une technique, les savoirs, les dispositifs du scénario peuvent s'appliquer à des objets réels. J'ai par exemple fait un cours sur l'affaire Dreyfus du point de vue de la pratique scénaristique pour voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, quel regroupement on pouvait faire, établir de façon à éventuellement tirer de nouvelles perspectives historiques réelles. Il s'agit toujours de partir vers la fiction pour revenir au réel. Peut-être cette habitude ou cette pratique pourra-t-elle me servir pour parler de ce film et de ce qu'il implique. Merci Luc. Je suis Christian Gattard avec Olivier. Et nous avons proposé les mondes anticipés à la Cité des sciences. Mon travail à moi est plus un travail de prospective à travers des livres que j'écris dans lesquels je m'intéresse à la fois à la prospective et au futur et aux mythologies qui peuvent accompagner les fictions autour de ces récits. Ma première question va être toute simple, en fait. C'est, alors, de quoi ce film est-il le nom, Jacques ? D'un rêve permanent de notre humanité, en particulier de nos ingénieurs. En voyant ce film, il y a évidemment, mais là je suis dans un monde qui est moins le mien, mais des références mythologiques majeures, ne serait-ce que celle du grand mythe de Dédale, le mythe de l'ingénieur, le mythe de l'homme qui fabrique, qui manipule, qui essaie de manipuler le vivant ici, qui manipule le climat. Et avec les conséquences, c'est que quand on veut aller au ciel pour se diriger, on peut aussi y tomber, donc il y a des chutes permanentes, il y a des gens qui brûlent, enfin on a Icar est un partout, mais comme c'est un film hollywoodien, ça se termine quand même bien. Mais c'est quand même le mythe de l'hubris de l'homme qui prétend tout diriger, déjà ça. Et ça rejoint effectivement la question de l'ingénieur. Parce que si j'ai une casquette que je viens de vous décrire, c'est que je suis moi-même ingénieur dans des domaines plus terrestres, donc plus proches de ce que Sylvie nous a parlé. Mais l'ingénieur, c'est celui qui fait. Et donc, il faut absolument lui poser la question, mais pourquoi fais-tu cela ?
Es-tu conscient de ce que tu es en train de faire ? Et là, il y a des réalisations d'ingénierie extraordinaires. On voit en permanence cette espèce de filet qui entoure entièrement la planète Terre. C'est une géo-ingénierie, donc une ingénierie qui touche la planète et qui prétend donc réussir à maîtriser entièrement cette planète dans ce réseau. Enfin, l'image est tout à fait claire. Mais voilà, donc on a un ingénieur qui même sauve le système, enfin, au risque de sa vie. C'est vraiment une très belle image de l'ingénieur, bon, là, qui est rendue positive. Mais on a envie de lui dire, mais pourquoi as-tu fait cela ? Okay. Et t'es-tu posé la question ? Intéressant. Mais Sylvie, en fait, par rapport à ton terrain d'expérience, qui sera effectivement peut-être plutôt la forêt, la terre, comment tu ressens ce genre de discours qui nous surplombe à travers sa forme ? Oui, alors il y a d'autres mythes là-dedans, c'est-à-dire que comme c'est très américain, quelque part, la planète est sauvée par deux frères, enfin c'est toujours l'idée, et puis aussi par un couple. Et là, c'est quelque part, c'est aussi assez effrayant parce que bon, l'équipe est toujours dirigée par un seul. C'est pas un travail participatif seulement. Hein. Par ailleurs, on sait très bien que au niveau, comment dirais-je, des animaux, des insectes aujourd'hui, ce qui nous menace au niveau de la biodiversité, c'est le printemps silencieux. C'est le silence. Et là. Moi, j'ai fermé les yeux parce que je l'avais déjà vu aussi. Mais il y a un fracas total, un fracas total. Or, par définition, c'est l'espace, enfin, je veux dire, il y a quand même un peu de silence de temps en temps. Donc, le fracas est fait pour déclencher des émotions chez nous, comme un déluge. C'est exactement l'inverse de quelque part ce qu'il faudrait faire. Oui, mais ce qui est frappant, cette espèce de jouissance de l'apocalypse permanente. Oui, jouissance de l'apocalypse, voilà. Oui, tout à fait. OK. Et alors, Luc, le scénariste, voit quoi ici ? Je vois d'abord que dans un film comme celui-là, plus que dans d'autres films, on voit la distinction qu'il peut y avoir entre l'histoire, ce que ça raconte avec ses détails, ses événements, ses coups de théâtre assez prévisibles, ou en tout cas... dont l'inverse est tout aussi prévisible, mais c'est une option binaire entre deux options. Le héros sera-t-il sauvé à la fin ou pas ? Est-ce qu'il meurt héroïquement ou est-ce qu'il se sauve moins héroïquement ? Ça, ce sont les variations de l'histoire. Et puis, il y a la fable, qui est par où ce film, malgré tout, nous parle et nous intéresse, parce qu'il nous raconte un avatar de notre grande peur. Alors, la peur, aujourd'hui, elle a plusieurs visages, mais un de ces visages, c'est celui, pourrait-on dire, du syndrome de l'apprenti sorcier. Vous vous souvenez tous, dans Fantasia, Mickey débordé par la machine infernale qu'il a créée avec des balais et des seaux. Ici, on a quelque chose de même ordre. Hein. C'est, au fond, un énorme dispositif qu'on peut truquer, mais qui semble lui-même un énorme trucage de la réalité. Et à la fin, lorsqu'on voit qu'un des deux héros, le héros solaire, le héros stellaire, reste à bord pour déconnecter les satellites, on se dit la bonne solution serait que tous les satellites étant enfin déconnectés, la planète revienne à une sorte d'autonomie intérieure. Or, c'est pas ça. Une seconde après, ouf, on a pu les reconnecter tous, mais provisoirement sauvés de leur virus essentiel. Donc ça, j'ai presque l'impression que c'est la clé de la mauvaise piste du film, du contresens de la fable. Hein. La fable nous dit non pas échappons au syndrome de l'apprenti sorcier pour revenir à une situation gérable par l'intelligence humaine, mais non, hein, échappons au syndrome pour le réactiver autrement, de façon à ce que bientôt un autre film hollywoodien puisse sauver la planète d'une autre manière. Là, et la dernière chose qui me... Enfin, mille choses m'ont frappé, mais la dernière chose que je voudrais dire maintenant, c'est à quel point le sentiment de la gravité, l'énormité des moyens mis en place pour nous montrer Rio de Janeiro balayé par une mer de glace, etc., sont chaque fois présentés dans leur caractère non tragique. S'il y a bien quelque chose que ce film ne fait pas, me semble-t-il, c'est faire peur. Hein. En partie parce que l'image du drame est toujours arrêtée au moment où elle deviendrait abominable. Hein. Ces gens qui courent sur la plage de Rio et qui sont rattrapés par de la glace, on voit de temps en temps quelqu'un qui devient tout blanc et qui s'arrête. Mais on ne peut pas dire que c'est très frappant ni très terrifiant. Et aussitôt après,
Il y a une sorte de retour, le chien est toujours là à Bombay ou ailleurs, etc. Et à la fin, les eaux se retirent, les tours ne sont pas vraiment tombées, la planète n'a pas vraiment explosé. Il y a une sorte de coitus interruptus du drame, parce que derrière ça, il y a une voix qui nous dit « ceci est un joke ». Mais c'est peut-être une erreur, parce que si on veut nous faire entrer dans ce champ du terrible, il faut peut-être montrer aussi que le terrible existe sous une forme émotionnelle. Et c'est justement ce qui n'est pas. Sylvie. Moi, ce qui m'avait frappé, c'était la scène de la fin, là, les deux frères avec la petite fille au milieu. En fait, ils s'ennuient, quoi. Je veux dire, ils s'ennuient sur la planète Terre. Donc, ils n'ont qu'une envie, c'est de repartir. Ils repartent tous les deux en se chamaillant. C'est la petite qui reste et elle voit une sorte d'immensité plate. C'est pas elle qui a le rôle en réalité. Hein. C'est les deux garçons qui vont à nouveau reconstruire une station spatiale. Ils partent, effectivement. Ils s'en foutent de la Terre. La seule pseudo-bonne nouvelle, c'est que la petite fille, dès que c'est l'humanité toute entière qui se réunit autour de cette solution. Mais c'est vraiment de l'ordre de l'utopie pure. Jacques, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, parce qu'à travers cette question qui est... Bon, alors, la finale, effectivement, on est rassuré. Alors même si on revient à l'état précédent, comme vous l'avez très bien fait remarquer, le seul point qui est amélioré, c'est qu'au lieu d'être entre les mains seulement du gouvernement américain et de la NASA, ça passe à un gouvernement international. Bon. Mais là, il y a effectivement une problématique très intéressante que... Alors nous n'en sommes pas là aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en termes de technique, mais il est envisagé des techniques qui posent le même genre de problème. Je pense en particulier à une autre menace qui est aussi très souvent mise en œuvre dans les films, c'est l'astéroïde qui nous tomberait dessus. Comme je ne suis pas un spécialiste, je ne sais pas combien de films tournent autour de cette problématique, mais il y en a un certain nombre, même des séries. Enfin bon. Et vous savez que alors, c'est une réalité possible. Moi, c'est déjà arrivé, ça arrivera probablement. Alors, quelle échelle, nous n'en savons rien. Mais l'une des solutions envisagées, c'est de constituer des systèmes qui vont détruire ces astéroïdes et donc, entre autres, des systèmes de missiles. Donc, c'est chaque fois une des solutions qui est évoquée. Et quand j'ai vu ce film, j'ai pensé à ça. Parce qu'un missile, c'est donc une capacité technique qui peut être utilisée... Bon, si c'est pour détruire un astéroïde, c'est très bien. Comme dans ce cas-là, bon, si c'est pour homogénéiser le climat, le calmer, empêcher les tempêtes, c'est très bien. Mais ça peut devenir, entre certaines mains, une arme de guerre extrêmement efficace. Et donc, d'ores et déjà, quand nous évoquons, dans certains cercles, une possibilité de concevoir... Bon, alors, de telles armes, enfin de tels missiles pour détruire ces astéroïdes, l'une des raisons, mais ce n'est pas la seule, d'écarter cette solution, c'est cela. C'est qu'en fait, on est en train de construire, on aurait comme projet de construire quelque chose qui pourrait très bien être retourné par certains pouvoirs contre d'autres. Et c'est l'une des raisons de ne pas trop aller en avant dans ce genre de projet, et d'essayer de trouver peut-être d'autres projets. Par exemple, un que je trouve magnifique, c'est d'aller peindre l'astéroïde. Et si vous peignez l'astéroïde avec des couleurs différentes, vous pouvez créer un effet particulier, bien connu, qui fait que l'astéroïde change de trajectoire rien que par l'effet de la lumière sur la peinture. Et quand j'ai raconté ça il y a quelques années à un jeune qui passait son bac, ça l'a, paraît-il, fasciné. Et aujourd'hui, il est ingénieur en astronomie. Et il m'a dit c'est le jour, devenir peintre d'astéroïdes, c'était devenu une espèce de rêve. Je trouve ça plus intéressant et plus beau. En tout cas, pour revenir, c'est aussi l'une des thématiques. C'est-à-dire qu'une technique, ça revient à la question éthique, c'est-à-dire qu'est-ce que vous en faites ? Et quand vous concevez une technique, vous devez aussi, comme ingénieur ou comme groupe d'ingénieurs, vous demander à quoi elle peut servir et quels peuvent être les usages bénéfiques, mais aussi les détournements. Et dans ce film, ça, c'est très, très bien mis en œuvre, je trouve. Mm-hmm. Très bon éclairage des artistes que nous avons invités dans l'exposition, dont on estime que peut-être ils vont, par leur travail, pacifier le monde et rendre, bon, ce ne sera pas encore une fois trop utopique, mais le monde meilleur par rapport à ça. Mais enfin, à ce moment-là, Luc, tu dirais quoi sur cette idée, que je trouve effectivement superbe, de ce que la fiction
que représente ce film, l'histoire que représente ce film, en quoi est-ce que cela peut influencer les spectateurs, influencer les décideurs, en quoi la fiction, telle qu'elle est représentée ici, pourrait nous aider à éviter les catastrophes ? Il y a deux façons de répondre. Une des façons de répondre, ce serait de dire que le spectacle d'une catastrophe produite par la bêtise des hommes, hein, appelons ça comme ça pour faire court, des êtres humains, et non pas par le cours des choses, pourrait amener certaines personnes, certains pouvoirs, certains électeurs à se poser la question du sens. Hein, et donc, qui et quoi soutenons-nous, hein. Je fais une petite parenthèse en disant que cette perspective de plus en plus fréquente d'implanter des puces dans le cerveau humain pose absolument ce que Jacques soulevait, la question de, du double sens, du retournement du bien en mal. Hein. Supposer que même dans le cas de la puce implantée, le bien existe. Mais voilà. Ça, c'est une façon de voir les choses. Le spectacle, le modèle, la fable, nous fait prendre conscience d'une mauvaise direction. Je pense que c'est une hypothèse qui n'est pas fausse, mais qui est un peu ici désactivée, parce que le film est une fable peu terrible. C'est une fable, d'une certaine manière, un peu vieillotte. Je trouve d'ailleurs que le film, si on ne parle pas de son esthétique, qui est relativement récente, a quelque chose d'ancien. Il a quelque chose, climat, ambiance, héroïsme, rôle présidentiel, etc., des années 50. Je ne suis pas spécialiste des films des années 50, mais on sent bien qu'il y a des films de cette époque où, au fond, peut-être que c'était le contexte de la guerre froide, faisait qu'on vivait dans un univers moral et que Dieu récompensait le bien. Dans ce film-ci, ce qui est très curieux, c'est que la récompense tient au fait qu'il n'y a pas eu de vrai péril. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais les périls, ils frappent quand même beaucoup des populations exogènes par rapport à la maison mère centrale américaine. Hein, c'est quand même Bombay, Rio de Janeiro, etc., etc., qui sont frappés et menacés. Et sur Orlando, la menace est quand même, et d'ailleurs les effets de réel sont beaucoup moins forts. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième, je la dirai après avoir passé la parole à Sylvie, parce que je ne voudrais pas confisquer le micro. Enfin, là, on voit beaucoup de choses dans les détails politiques, puisque c'est un démocrate qui, quelque part, sauve la planète, hein, c'est quand même dit. Et quand vous regardez les drapeaux, puisqu'il y a 17 pays qui sont mobilisés, on voit à un certain moment qu'il y a le drapeau chinois, mais de façon très fugitive. En réalité, aucun personnage n'est chinois. Le seul chinois, c'est Hong Kong. Et parmi l'équipe du sauveur de l'humanité, celui qui l'aide, donc c'est la femme qui est allemande, il y a le français, et il y a Mahmoud qui lui est tué au départ, et donc il n'a pas le temps de sauver tout le monde, et alors le traître est anglais. J'ai cherché beaucoup, mais il avait le brassard anglais. Hein. Donc il y a quand même un certain nombre de messages qui nous arrivent de façon petite, hein, qui n'ont rien à voir avec ce déluge de sons et d'images. Mais ces petites choses, je pense, on s'en souvient sans s'en souvenir. Enfin, quand on sait que le monde va être sauvé par un démocrate, aidé des Français, des gens de Hong Kong. Et voilà. Alors, c'est une réponse à la question de à quoi sert la fiction. Ce type de fiction, effectivement, a des visées politiques peut-être subliminales et discrètes, mais ça va dans ce sens-là. Est-ce que l'ingénieur doit avoir une position politique ? C'est pas qu'il doit avoir, mais ce que je ne cesse de répéter à mes collègues, enfin répéter, soyons clairs, ils m'écoutent, mais partager toujours, c'est et je crois qu'aujourd'hui le mouvement a été pris, mais pendant longtemps le domaine des sciences et le domaine des techniques a prétendu être neutre. L'ingénieur conçoit des trucs extraordinaires, le savant fait des découvertes fantastiques, mais l'usage que l'on peut faire de l'acquisition de ces connaissances ou de l'acquisition de ces techniques, ils n'en sont pas responsables. Et on l'a entendu pendant très longtemps et jusqu'à relativement récemment. Mais je crois qu'avec le tournant du siècle et du millénaire, sur des sujets un peu...
bon, de fait, des grandes thématiques aujourd'hui. Il y a eu une révolution où l'on a demandé à ces scientifiques, à ces ingénieurs, de s'engager davantage et surtout de reconnaître qu'ils sont des citoyens comme les autres. C'est pas parce qu'ils sont des sachants ou des bricolants qu'ils sont à côté de la nécessité du débat public, du débat citoyen, et que ça doit même être intégré dans leur démarche. Qu'est-ce qui a pu se passer dans notre histoire récente pour qu'il y ait cette bascule? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup... C'est peut-être globalement l'évolution du monde des idées, des prises de conscience globales et du fait que, par exemple, par rapport au changement climatique et aux menaces sur le climat, il y a aussi, ça ne peut pas être simplement concentré dans une... Voilà, comme expert, je bricole mes graphes, mes observations, et puis j'oublie complètement ce qui se passe dehors. Je pense que c'est aussi du fait de la globalité des problèmes qui ont fait que, quand je construis un pistolet, peut-être que jamais je vais avoir ce pistolet entre les mains pour pouvoir l'utiliser contre mon voisin. Mais en revanche, quand je commence à accumuler des données sur le changement climatique, je suis bien dans ce climat. Donc sans doute qu'il a fallu quitter cette espèce d'indépendance, cette neutralité éthique. Et donc ce qui fait que ça, je trouve ça important et intéressant. Donc c'est pas qu'il doit, c'est que de fait, il y a ce mouvement qui se fait, qui fait aussi que quand on peut côtoyer différentes générations aussi de chercheurs ou d'ingénieurs. On voit très bien que les jeunes générations, et celles qui se forment en particulier dans les universités, dans les écoles, sont sensibles à des questions de société auxquelles leurs aînés n'étaient pas nécessairement sensibles. C'est pas, une fois encore, ce n'est pas une question de juger, c'est de constater cela. Et que les questions aujourd'hui qui sont posées par des jeunes ingénieurs ou des jeunes chercheurs ou les domaines dans lesquels ils s'engagent, eh bien, montrent aussi que leurs soucis, leurs engagements sociaux et politiques évoluent. Et c'est très bien. D'accord. Luc, tu reviendras à ton idée, Luc, alors, à la deuxième que tu nous promettais. Rapidement, c'était pour aller dans le sens de Jacques. La formation est très importante. Et je pense que les réseaux sociaux aussi ont eu leur rôle à jouer là-dedans, parce que, c'est très ambivalent, mais vous vous souvenez de ce que Stéphane Hessel avait lancé il y a quelques années, c'était « Indignez-vous ». Et c'était un tout petit livre qui avait été vendu à des millions d'exemplaires. Je pense que chacun, à partir du moment où la formation fait, il y a des cours d'éthique maintenant, de plus en plus, dans les universités, dans les écoles d'ingénieurs, peut-être un peu moins. Mais en tout cas, on essaie d'aller au-delà de la simple pratique, de la pratique complexe, mais technicienne, dans tous les domaines. Oui. Luc, ton idée, c'était ? Il y a deux choses. La première, c'est que je crois que pendant très longtemps, on a dit la science comme s'il s'agissait d'une espèce de progrès collectif et cohérent de l'évolution des techniques et des savoirs. Et puis, peut-être parce qu'il y a un certain niveau de vulgarisation scientifique qui s'est développé davantage, peut-être aussi parce qu'il y a des cas récents, le dérèglement climatique ou la pandémie du Covid, qui ont amené les pouvoirs publics, les médias, etc., à interroger plus précisément ceux qui étaient, sinon les savants, du moins les sachants ou les praticiens. Et on s'est rendu compte qu'il n'y a pas une science, puis qu'il y en avait plusieurs, que les gens de même formation, de même discipline, sur le même sujet, pouvaient tenir des postures disjointes à 180 degrés. Donc il est apparu que ce qui les différencie, ce n'est pas spécifiquement la pratique, ni même la connaissance ou la formation, mais c'était aussi le jugement, l'idéologie et en dernier lieu, un certain rapport d'évolution politique de la situation qu'ils étaient amenés à évoquer. C'est encore plus clair avec les interminables débats où les gens, tous médecins, tous docteurs, se disputaient à couteau tiré sur la question du vaccin ou d'autres, etc. Et donc, il est devenu patent pour tout le monde qu'il n'y avait pas de science neutre, non, parce qu'il n'y avait pas d'humain neutre et que tout le monde, derrière son apparence savoir et l'objectivité du savoir, était amené sans arrêt à sortir comme d'une capsule spatiale dans
l'espace avec leurs petits scaphandres autonomes plus ou moins bricolés pour dire le réel à des gens qui n'avaient pas la même pratique mais qui avaient la même attente, c'est-à-dire un certain rapport à la vérité et au bonheur. Et pour passer à un autre niveau, je suis assez frappé, on peut peut-être en parler, de cette convocation de la mythologie qu'il y a dans le film. Dutch Boy, qui rappelle donc l'histoire du petit Hollandais qui avait sauvé son pays, etc., qui est en lutte contre Zeus. Quoi. Donc c'est intéressant, le petit enfant contre le grand dieu méchant. Quoi. Et donc j'ai la question que je me pose, que je nous pose, c'est de faire appel à ces mythologies plus ou moins conscientes. Est-ce que tout le monde pense tout de suite à Zeus, le méchant, ou au petit enfant, le gentil? Mais à quoi servent ces mythes aujourd'hui dans la littérature cinématographique ou dans la littérature en général? Tu as beaucoup abordé ça dans tes recherches, Sylvie. Moi, je trouve que c'est l'aspect le plus intéressant du film. C'est qu'il barbote dans tout un potage mythologique à la fois occidental. Hein. Donc, il y a bien sûr le petit Hollandais, mais il y a également filigrane le Hollandais volant, quelque part. Hein. C'est toujours le mythe qui est contraire. Il y a bien sûr Zeus, dont la fonction première, c'est de jeter la foudre. Donc, voilà. Il y a, bien sûr, il y a le traître obligatoire qui est quelque part caché. Mais le traître, c'est Zeus en même temps. Non, il a un bras armé. C'est le bras armé. C'est une fausse piste. Zeus dirige vers le président des États-Unis et c'est pas lui. Donc, on a truqué aussi un tout petit peu la signification première, la mythologie, pour qu'il y ait un degré second de l'intrigue. Mais bon, c'est... on ne peut pas attaquer un président démocrate, comme c'est ce qui est dit, non? Oui, oui. Il faut dire aussi que dans ce film, les gens portent le rôle sur leur visage. Oui. Hein, le secrétaire d'État qui est le vrai coupable, on a rarement fait quelqu'un qui sentait plus son traître à qui on a envie de jeter des tomates. Dieu merci, sur la scène d'Olympie. L'acteur n'est pas toujours un méchant dans ses films, donc ça le sauve un peu. Tu peux rebondir sur cette idée de mythologie dans ton domaine, Jacques? Non, j'aurais voulu. Enfin, je trouve que Sylvie, c'est vraiment son domaine un de tes domaines de prédilection. Et donc, peut-être. On avait travaillé il y a quelques années avec Jacques sur des mythes et des dieux. Et c'est ça, c'est-à-dire que, en fin de compte, le trajet qui nous est proposé au niveau de l'imaginaire, c'est un trajet qui est extrêmement codé. Alors qu'on peut sourire quelque part des aspects un peu télescopés du film, en réalité, il y a un chemin beaucoup plus subtil qui est derrière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre moyen que la situation, que la réflexion occidentale avec ses a priori occidentaux. Donc, on ne nous propose aucune alternative là-dessus. C'est-à-dire que nous avons un héritage judéo-chrétien et nous avons un héritage gréco-latin. Et donc, tout ça, ça c'est très bien ficelé. C'est ça qui m'a interpellée. C'est-à-dire qu'au niveau du scénario, là-dessus, c'est-à-dire... C'est cette chose qui ne nous arrive pas en premier, puisqu'on n'a pas, pas quelque chose qui fonctionne avec une musique tonitruante, ça nous rassure aussi, et ça, c'est également c'est un petit peu ringard à cause de ça, c'est ce que disait Luc. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, on le connaît, ce système de pensée. Et intervient dans tous ces films, à un moment donné, la violence extrême, la violence de l'explosion des machines, la violence du temps, la violence des bagarres entre les héros, etc. À quoi sert cette manifestation de la violence? Sur ce point-là, je voudrais attirer l'attention sur le fait que ce qu'on a vu, c'est une série de citations de violence, plus que de violence même. Quand on tire sur des gens, on ne voit pas vraiment leur crâne qui explose. On comprend qu'ils sont morts par leur disparition plus que par la matérialisation de leur trépas. Quand les machines explosent, etc., il y a sans doute du deuil, mais on en parle, mais on ne le voit pas tellement.
je ne suis pas amateur d'un cinéma violent, mais je suis frappé de ce dispositif où tout annonce la violence, tout cite la violence, tout est... Il y a des tueurs, il y a d'énormes cataclysmes humains, etc. Et concrètement, on couperait le son, on verrait que les images, on verrait très peu de violence organique, ça, qu'elle soit collective, comme une explosion de satellite ou un débordement de plage, ou qu'elle soit individuelle. Ça, c'est la première chose. Remplacer la violence par la citation de la violence, c'est un procédé qui nuit un peu à la fable, parce que justement, tu suggérais à juste titre qu'une fable ou une proposition de fiction pouvait montrer le modèle à ne pas suivre. Mais si ce modèle est affaibli et d'une certaine manière n'a pas de caractère vraiment menaçant, si sans arrêt, comme dans un rêve où on se dit « je sais bien que je rêve, je sais bien que ce n'est pas vrai », on se dit « je sais bien que ce n'est pas tragique, je sais bien que ça va s'arranger à la fin », d'une certaine manière, le repoussoir que peut constituer un film catastrophe ne fonctionne pas. Une remarque aussi, c'est que je déteste, je crois, pouvoir dire les excès du wokisme, mais on peut dire qu'on vient de voir là un film non-woke absolu. Pourtant, il n'est pas bien vieux, mais tous les critères qui font que maintenant on refait des Blanche-Neige avec des personnes de couleur, etc., n'ont pas été convoqués ici, où tous les rôles sont attribués à l'Occident et à des figures occidentales de manière presque un peu singulière, comme quand on voit un film des années 50 où les enfants qui sortent d'une école à Paris où il n'y a que des petits blancs, on voit bien que quelque chose a changé. On ne reconnaît pas tout à fait le monde. Ici, on ne reconnaît pas tout à fait le monde de la fiction, parce que justement, parce que tous les codes, l'utilisation mythologique, selon moi, et le dispositif de la violence sont issus d'une conception passée de la fiction. Je trouve vraiment que le reproche que je ferai à ce film, c'est pas qu'il a des banalités ou des codes un peu trop apparents, c'est qu'il n'a pas, sur base d'une fable qui est vraiment très intéressante et qui justifie qu'on en parle avec une certaine excitation, il n'a pas vraiment essayé de penser le scénario comme une fable d'aujourd'hui. C'est un scénario disposant de notre attention et de notre passion potentielle pour une fable d'hier, c'est-à-dire quelque chose qui ne nous inquiète plus beaucoup, parce que, par exemple, Cuba n'a pas généré en 1962 une guerre atomique. Ça, donc, quelque chose, le futur du passé est moins terrible que le futur du futur. Une question qui me brûle. En quoi est-ce que ce genre de film est différent de Shakespeare ? J'ose poser cette question. Non, non, mais parlons-en. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une vraie différence que je ressens, hein, de profondeur ontologique dans un film comme ça, qui me paraît relativement mièvre, par rapport à des auteurs, à des pensées qui ont une véritable profondeur? Je n'ai pas beaucoup aimé ce film, mais peu importe. C'est quoi la différence? Allez-y. Alors, les sorcières de Macbeth, comment réussir à échouer? Demander l'ultra-solution, c'est un peu ça. C'est l'école de Palo Alto là, qui est à l'inverse, c'est-à-dire, oui, comment réussir à échouer? Demander l'ultra-solution. Donc là, on est dans une structure de mélodrame, c'est-à-dire qu'on sait très bien comment ça va fonctionner. Le héros va se sauver, au début il y a une catastrophe, etc. Le mélodrame, c'est une structure qui a été diffusée, je ne dis pas inventée, avec la Révolution française. C'est notre structure fondamentale qui est liée à l'évolution de nos sociétés. Mais comme elle a été traitée de façon très classique, très, très ancienne, très un peu ringarde, en fait, nous ne sommes plus dans une structure de mélodrame. Et c'est ça. Shakespeare, lui, il avait un langage. Il n'était pas en train de faire du bruit partout. C'est pas du bruit, de la fureur. Ce sont des phrases avec une syntaxe, avec une distance. Et c'est ce qui permettait au spectateur de réfléchir parce qu'on avait du respect pour lui. Mmh. Jacques ? C'est étrange parce que je pensais aussi à Macbeth et à,
existe-t-elle à propos la question que je trouvais vraiment récemment, cette citation, et on s'interroge si les sorcières existent bel et bien. Et donc, régulièrement, je crois à Shakespeare plutôt en mode de citation, ce qui n'est pas très bien, mais ça donne l'occasion de me remettre dans cette œuvre où il y a l'envie d'aller, si je puis dire, en profondeur. Là, on passe, on a du bruit, effectivement, on a des images. Et puis un propos qui est la finale, je suis comme Luc, la finale, tout revient juste comme avant. La famille est recomposée, les frères se sont réconciliés, la NASA a remis la station en place, l'armée a une structure internationale, et on conserve l'American Way of Life. On s'est débarrassé en passant de quelques, comme vous l'avez bien remarqué, Bombay, des trucs, c'est comme par hasard, c'est ceux-là qui disparaissent. Hong Kong, c'est peut-être pas si mal. Parce les Arabes, les Arabes de Dubaï. Les verrues et toutes ces choses-là. Enfin bon, où est le vrai drame? Où est ce qui va me toucher et ce qui peut me rejoindre aujourd'hui? Ou récemment, dans Le Marchand de Venise, je regardais vraiment le début du Marchand de Venise avec une vision des temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui et la découverte du hasard, du risque qu'on va prendre. Là, il n'y a pas de risque. On est dans un monde cosmique. On est dans un monde d'avant les temps modernes, puisque tout redevient comme c'était. Tout tourne comme il faut. Il y a Zeus, mais Zeus a permis que finalement tout se reconstitue. Donc c'est pas... Donc c'est pas Shakespeare. Je sais pas s'il faut convoquer Shakespeare qu'il faut déranger Shakespeare de son grand tombeau céleste pour si peu, mais je suis assez d'accord avec en filigrane, en tout cas avec ce que vous venez de dire à tour de rôle, Sylvie et Jacques. C'est d'une part, c'est que c'est pas Shakespeare écrit des drames, c'est-à-dire des situations où on ne reviendra plus en arrière. Et peut-être l'essence du drame, c'est qu'il se passe quelque chose et la machine est enclenchée. Et quoi qu'il arrive, même si ça s'arrête avant la catastrophe, le monde d'après le déclenchement du drame ne sera plus le même que le monde d'avant. Et c'est peut-être d'ailleurs une bonne leçon pour le scénario en général. Un scénario, ça doit raconter, me semble-t-il, un scénario de fiction, une histoire qui place le protagoniste, le héros, les personnages, à la fin, plus loin ou ailleurs, ou pire, éventuellement, que là où ils en sont partis. Ce n'est pas une boucle, ce n'est pas un éternel retour, c'est une progression non seulement narrative, mais morale, intellectuelle, sociologique ou autre. Bon, ça, c'est vraiment important. Ici, justement, ce qu'on nous dit, c'est qu'il ne s'est rien passé. À la limite, il y a eu un petit toilettage ethnique, un petit toilettage, il y avait un grain dans la belle machine démocratique, c'est-à-dire ce secrétaire d'État corrompu. Il saute et donc le président révèle à quel point c'était un cœur pur, etc. Donc, il ne s'est rien passé. Ça, c'est quelque chose qui identifie la différence entre une œuvre et une production. Ceci nous excite, ce regard n'est pas intrinsèquement mauvais. On peut dire qu'on le suit avec un intérêt qui, à certains moments, va jusqu'à la concentration, pas toujours. Mais le fond de la chose, c'est qu'on n'assiste pas à une œuvre. Et c'est d'autant plus frappant que le cinéma et les séries produisent sans arrêt des nouvelles œuvres. Si on prend le cinéma d'après l'an 2000, donc sans remonter au calendrier grec, on voit sans arrêt des films qui mettent en scène le drame, qui utilisent les pistes, mythologiques, éternelles, pour en faire quelque chose qui nous frappe aujourd'hui. Mais là, ce film tend des pistes, et se tend des pistes à lui-même, et ne s'en sert pas. Ces deux frères qui sont séparés par la terre et la mer, par le ciel, etc., et qui se réfèrent à un père. Ce père devrait jouer, même si on ne le voit jamais, puisqu'il est mort, il devrait jouer un rôle de signification, il devrait relayer le drame, la raison d'être de leur mésentente entre ces deux frères. Or, il n'est là, ce père, absent que pour une plaisanterie sur la pêche pour fournir un code, etc. Il ne sert à rien, il n'existe pas. Il n'est pas un père absent au sens psychanalytique, il a un père absent au sens scénaristique. Et ça, c'est dommage. Bon, la différence entre Shakespeare et l'auteur de cette œuvre, c'est la différence qu'il y a entre l'extrême talent, pour ne pas convoquer les grands mots, et le talent de série qui produit des...
des choses, avec des contenus, avec des personnages, avec des émotions, avec une intrigue, avec un vrai problème qui nous concerne tous et qui pourtant ne réussit pas à coaguler pour faire la seule chose qui compte pour, quand on est face à une œuvre d'art, c'est l'émotion qui fait du sens. Là, il y a du sens, il y a éventuellement l'émotion, mais les deux ne sont pas bien imbriqués ensemble. Ce serait mon reproche. Qu'en pensez-vous dans la salle ? Qui veut parler ? Oui, non. Covid interdit de donner les micros. Donc il y a un micro qui va vous être tendu. Vous n'allez pas prendre le micro dans la main, vous allez parler devant le micro. Je vais commencer. Bonjour. Je vais revenir un peu plus terre à terre. Je vais revenir sur les éléments qui ont été évoqués tout à l'heure par rapport au mythe de l'ingénieur, notamment, et au côté apprenti sorcier. Dans ce film-là, on se base sur le principe qu'on a un gros problème qui est le réchauffement climatique. Enfin, le changement climatique, c'est celui qu'on connaît actuellement. Et la solution, c'est mettre énormément d'énergie, énormément de ressources, énormément d'ingénierie pour faire du technosolutionnisme. Bon, il se trouve que ça finit mal, enfin, ça tourne mal. Mais ça pose quand même la question qu'on a actuellement, qui est de se dire. On a des mauvais comportements d'un point de vue économique, politique, et il y a beaucoup de solutions qui reviennent à dire on va mettre encore plus d'énergie, de ressources pour essayer de trouver une solution. Et donc ça pose déjà la question de la direction qu'on décide de prendre plutôt que d'essayer de plus changer nos comportements. Et là, une deuxième question qui est liée à celle-là, c'est par rapport au rôle politique de l'ingénieur qui était évoqué tout à l'heure. C'était le fait que les ingénieurs, enfin les scientifiques, ont envie de chercher, de découvrir des nouvelles techniques, de travailler sur des projets très passionnants. Et ça revient à, si on veut décider d'éviter le technosolutionnisme, de refuser de travailler sur ces projets potentiellement très intéressants. Et ça peut être frustrant pour des gens qui ont envie d'aller vers des nouvelles technologies. Donc je voulais avoir votre avis sur ces deux points-là. Merci. Jacques. Oui, c'est moi qui ai un peu introduit cette dimension-là, parce que vous avez parfaitement raison. Alors évidemment, le film fait un choix, c'est la solution technique, la géo-ingénierie, et pour en voir énormément de projets qui vont dans ce sens-là. Et c'est un choix. L'autre possibilité qui est derrière votre question, c'est ça de nous interroger aussi sur notre propre mode de vie aujourd'hui. Et là, on revient sur la question de, finalement, tout reste en état. En écoutant encore Luc à l'instant, je dis au fond, c'est pas un film catastrophe. Une catastrophe, c'est quand on passe d'un état à un autre. Et là, on passe d'un état et on revient au même état. Et comme vous l'avez très bien marqué les uns les autres, il y a quelques petits changements parce qu'il faut quand même qu'il y ait de l'action et du bruit. Mais parce que c'est effectivement l'autre solution, c'est vrai qu'il y a un vrai changement, une vraie catastrophe, mais pas telle qu'elle est représentée dans le film, mais au fait que nous changions nos manières de vivre aujourd'hui sur Terre et que nous n'ayons pas besoin d'une débauche, parce que là, vraiment, c'est une débauche technique, enfin, pour cette vision de ce maillage, parce que c'est pas uniquement des satellites, c'est un vrai maillage autour de la Terre, enfin bon, c'est une espèce de folie technologique, alors que, surtout pour ne rien changer, que ça soit pas une catastrophe. Et alors ça interroge, comme vous l'avez très bien dit, ça interroge à la fois ceux qui aujourd'hui ont une âme d'ingénieur et vers quoi vont-ils orienter cette âme d'ingénieur, parce que nous aurons toujours besoin d'ingénieurs, même dans des énergies alternatives ou des choix de vie différents. Nous aurons quand même besoin de techniques et de techniques innovantes. Hein. Il ne s'agit pas d'oublier le côté innovant de l'ingénieur, mais effectivement des choix de société. Alors ça, ce n'est pas du tout le contenu du film, effectivement. Vous avez parfaitement raison. Mais c'est ce que je disais aussi, on sent, et c'est ce que disait aussi Sylvie, on sent cette évolution, et je la trouve très bien, dans des écoles d'ingénieurs, même celles qui ont porté quelque chose qui irait plutôt vers la géo-ingénierie d'une certaine manière, eh bien, dans ces mêmes écoles, il y a aussi des projets d'aller ailleurs, se mettre au service d'une autre forme de société ou d'autres choix de société, tout en gardant l'esprit d'innovation, l'esprit d'élaborer des choses nouvelles, mais au service d'un certain choix de société. Les films qui pourraient éventuellement traiter de ces choix de société font-ils des entrées ? Sylvie ? Oui, les films font des entrées. Et puis en plus, il y a quand même des documentaires qui sont une sorte de docu-fiction qui plaisent. Genre Demain ou des choses comme ça ?
Oui, par exemple. Mais pour revenir sur ce que vous disiez, ce qui manque dans ce film, c'est qu'il n'y a pas de vivant. Il n'y a pas de vivant en dehors des humains qui sont en train de construire la plateforme. Donc on ne peut pas réfléchir ni sur du biodiversité, ni sur l'évolution du vivant en général et de la Terre en particulier, s'il n'y a pas d'autres vivants que les humains qui construisent des plateformes. Autre question ? Allô, hop, je suis là. Moi, ce qui m'interrogeait sur ce film, c'est qu'on n'interroge pas du tout la complexité de quel est le climat qu'on met en place au départ. C'est-à-dire que pour éviter les cataclysmes, etc., on met en place un système et il n'y a aucune problématique. On définit le climat de quelle année, de quelle époque. Comment est-ce que Londres ne voudrait pas le climat de la Floride ? Comment est-ce qu'à ce moment-là, il n'y a aucune complexité sur cet accord ? Et on arrive en plus avec une précision absolue à régénérer un climat global sur la planète en connaissant ses interactions, mais qui reste équilibré. Ça a un côté absolument fascinant de ne pas interroger la complexité et des choix et de la mise en œuvre. Oui. J'ai envie de réagir à ça. La complexité qui est convoquée, c'est ce qui se passe dans la tête de Max, qui est la sale caboche, l'emmerdeur, etc., et qui arrive quand même à sauver le monde. Quoi. Je veux dire, on réduit cette notion de complexité à ce moment-là du récit. Je ne voudrais pas être un intervenant trop fréquent. Mais une chose m'a frappé, qui sort un petit peu de la problématique qu'on vient d'énoncer, c'est ce qu'on voit de notre planète, ce qu'on voit du milieu vivant humain, sur Terre, ne parlons pas. Je ne sais pas si c'est moi qui ai un esprit méfiant, mais j'ai l'impression qu'on ne montre que des endroits peu désirables pour les humains ordinaires. C'est un monde sans forêt, sans parc, sans maison, sans jardin, sans scène d'amour digne de ce nom, sans vin dans les verres, sans livres dans les bibliothèques. D'ailleurs, il n'y a pas de bibliothèque. Enfin, c'est strictement le genre de monde, toutes choses égales d'ailleurs, qu'on ne choisirait pas comme le monde idéal si on avait en alternative le monde que je viens d'évoquer, celui dans lequel, dans une certaine mesure, nous vivons, où il y a des livres, du vin, des histoires d'amour, des forêts, de la campagne, des chiens, enfin, toutes ces choses-là donnent quand même essentiellement l'impression que la vie sur le satellite, où forcément il n'y a pas beaucoup d'espace naturel au sens premier du terme, n'est que la projection de ce qu'est devenu, en tout cas dans le temps diégétique du film, la vie sur Terre. C'est exactement le même univers, la même technologie, le même espace qui n'est pas ouvert sur l'espace, qui est ouvert sur le vide intersidéral plus que sur l'espace véritable. C'est un monde relativement étouffant, relativement peu désirable, et on a l'impression, quand on arrive dans ces stations spatiales qui ne sont pas extraordinairement vaste, ni aménagé pour le déduit, pour les plaisirs, pour les rencontres, pour les conversations ou autre chose, on a l'impression qu'on n'a pas vraiment changé de monde et qu'on n'est pas dépaysé après avoir vu non pas Hong Kong, mais ce Hong Kong-là, non pas Orlando, mais ce Orlando-là, c'est-à-dire des endroits où ce qu'on appelait il y a encore quelques années la civilisation ne semble pas avoir beaucoup de place, où l'art de vivre ne semble pas avoir beaucoup de place. Une dernière question ? Oui, bonjour, merci. Je veux encore insister un peu sur cette question-là, parce que je n'ai pas bien. J'aimerais savoir votre avis, en fait, sur l'intention qu'il y a eu pour créer ce grand écart entre cette débauche de technologies futuristes. On voit plein de technologies futuristes, là, le holopad, des moteurs électriques de voitures, donc le géostorm, le dôme contrôle climatique, et à côté, une absence totale de futurisme socioculturel. Il n'y a rien. Il n'y a zéro, rien du tout. C'est-à-dire que... Mais vraiment, j'ai compté, j'ai regardé, il n'y a absolument rien. Pourquoi ils ont fait ça ? On imagine bien, pour trouver toutes ces technologies, les designer, on a mis du budget, on a mis derrière des créatifs.
Ben, pourquoi ces créatifs n'ont pas travaillé sur l'aspect humain du futur, en fait, et qui serait en plus une conséquence de ce contrôle climatique, effectivement. Forcément. C'est une... Tout à fait. Pourquoi, à votre avis, en sortant ce film-là, ils ont oblitéré complètement ce point-là ? Sylvie ? Question piège. Non, c'est une très bonne question, c'est vrai. J'ai ressenti ça aussi tout à fait. C'est la vraie question. En fait, pourquoi une production a donné de l'argent pour faire ça ? Ce n'est pas tellement le problème ni du scénariste ni du réalisateur. C'est pourquoi on a donné tant d'argent pour faire cette production, à part le fait de faire réélire le président démocrate. Je ne sais pas, c'était 2017. Hein. Et là, heureusement, nous, on vient de passer le Covid. Donc, du coup, on en a assez de ces projections où la fille dit bah, « j'habite dans une petite cellule de 2,50 m au fond d'un satellite ». Parce qu'on a tous envie de sortir, on a tous envie d'aller à la campagne quelque part ou de voir quelque chose de vivant autre que nous. Et même, d'ailleurs, nous, on a envie de se voir. Mais voilà, c'est-à-dire que nous sommes en décalage depuis 2017 aussi. C'est-à-dire qu'on nous a fait... On nous a pas à nous. C'est une grosse production qui allait sur les rails, en fin de compte, du monde d'avant. Et d'ailleurs, la seule référence historique, vous avez remarqué, c'était quand le dingue là, qui voulait faire... Bon, il dit... Et la référence, c'est 1945. Oui. En fin de compte, sa perception s'est arrêtée en 1945. Et je pense que ce film s'est arrêté en 1945 aussi. Bien, nous allons devoir terminer. Olivier va faire le lien. Je vous convie, pendant la petite interruption, avant la prochaine séance, d'aller visiter l'exposition pour y rencontrer les artistes. Tu présentes la suite, Olivier ? Voilà, tout à fait. Donc, nous allons enchaîner avec une table ronde sur l'utopie. Et ça me permet de faire le lien avec la table qui vient de se finir. Finalement, ce film, il révèle deux utopies. Il y a une utopie scientiste qui a été dite, techniciste. Hein. On va essayer de développer un système pour maîtriser les éléments sans tenir compte de la complexité, où on simplifie. Et finalement, derrière cette utopie scientiste, il y a une utopie conservatrice. Parce qu'effectivement, vous avez parfaitement remarqué, c'est le même monde. C'est toujours les pays occidentaux qui président au destin du monde. Les pauvres sont ceux qui souffrent. Les touristes sont sur les plages, etc. Donc, en fait, et donc, qu'est-ce que dit le film ? Il dit, pour tout changer, surtout ne rien changer. Et en fait, la morale du film, c'est pour garder le mode de vie, notre mode de vie, qu'il soit démocrate, américain, qu'il soit, on va dire tout simplement, occidental, eh bien, surtout, on met des moyens technologiques, mais on ne pose pas la question de la finalité de nos modes de vie. Et je vais vous poser, en conclusion, la question que j'ai posée hier sur la table dans laquelle j'étais avec Christian, c'est quel changement sommes-nous prêts, tous, à notre échelle, à consentir ? Si on n'est pas prêt au changement, il ne faut pas attendre à ce que le monde change. Et ce n'est pas la peine de... Ce n'est pas la grande révolution, mais si chacun, en tant que consommateur, en tant qu'employé, en tant que cadre, on se décide à dire, bah, tiens, il y a des choses qui doivent changer, eh ben, il faut les faire. Sinon, si on attend que le changement vienne de l'extérieur, je crois que c'est Gandhi qui a dit, le changement que vous voyez voir dans le monde, appliquez-le en vous. Bah, en termes de prospective, peut-être qu'il y a quelque chose à réfléchir. Et ce film est excessivement caricatural, donc interroge effectivement ce changement. Je vous remercie. Bonne visite de l'exposition.